Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler coup de pied et plus précisément coup de pied direct. Et je vais te montrer 5 erreurs sur le coup de pied direct à ne jamais faire. Le but, c'est d'avoir des coups de pied directs qui soient efficaces, d'avoir des coups de pied directs qui créent des dégâts importants, d'avoir des coups de pied directs qui te permettent de créer quelque chose d'autre derrière. Donc si tu veux être efficace dans tes percussions, suis-moi dans la vidéo. Mais avant cela, ce que je te propose de faire, c'est de récupérer ton cadeau. En ce moment, ce que je t'offre, c'est la version numérique de mon livre « Défendez-vous ». Le livre « Défendez-vous » a été best-seller sur Amazon et tu peux récupérer et la version numérique et plusieurs vidéos sur le thème du Krav Maga avec les fondamentaux du Krav Maga, la technique, la tactique, le physique et le mental. Si tu es intéressé par ce cadeau, eh bien, tu trouveras tous les liens sous la vidéo. Le coup de pied direct et les 5 erreurs à ne pas faire. La première erreur que je vois souvent, c'est taper avec n'importe quelle partie du pied. Et si tu tapes avec n'importe quelle partie du pied, eh bien, tu risques de te blesser. Je donne un exemple. Si jamais je suis en basket comme ça et qu'on met une cible, si je frappe avec le bout du pied, le bout de l'orteil, je risque de me faire très mal. Okay? Même si je tape une surface comme ces parties génitales, si je tape fort, je risque de me faire mal et je risque de me casser les orteils. Donc, on va faire attention à la surface de frappe. Okay? C'est la première erreur que tu ne dois pas faire, frapper avec n'importe quelle partie. La surface de frappe, dans cette vidéo, eh ben, on va se concentrer sur une surface. Il y en a plusieurs. Dans cette vidéo, je t'en présente une. C'est le dessous des orteils. C'est cette partie-là. Tu vois, je peux taper assez fort. Il n'y a aucune douleur. Si tu te mets sur la pointe des pieds, c'est la surface avec laquelle tu vas toucher la cible. Okay? C'est-à-dire, c'est cette partie-là. Quand je suis sur la cible, je viens tirer mes doigts de pied en arrière et tirer ma cheville en arrière pour pouvoir percuter avec cette zone-là et frapper ici. Ok, ça, c'est la première chose que tu dois éviter de faire. Et évidemment, ce que tu dois faire, c'est taper avec la bonne partie. La deuxième chose que tu dois éviter de faire, c'est garder la jambe tendue et reposer la jambe tendue au sol. Parfois, je vois ça, les gens tapent et ils frappent et ils reposent la jambe tendue au sol. C'est pas bon. Si jamais tu veux avoir une frappe efficace, il faut absolument que tu aies un retour de frappe. Et le retour de frappe est avec le genou qui vient se fléchir à la fin de l'impact et donc les ischios qui viennent tracter ton pied. Ça veut dire que quand tu tapes, il y a ce retour de frappe. Okay? Donc, on vient à chaque fois replier la jambe pour la reposer et ne pas faire ça, frapper et garder la jambe tendue. Quand tu gardes la jambe tendue, d'abord, tu n'as pas de stabilité. Deuxièmement, lui, il peut t'attaquer, il peut te balayer. Troisièmement, ça t'enlève toutes tes possibilités pour faire d'autres choses derrière. Donc, c'est vraiment mauvais. Et bien sûr, tu tapes moins fort. Donc, évitez d'avoir la jambe tendue. Troisième erreur à ne pas faire, eh bien, garder les hanches figées. D'accord ? Surtout sur un coup de pied direct. Si je fais ça, tu vois, je ne bouge pas mes hanches, je ne touche même pas la cible. Donc, un, je perds de la distance et deux, je perds de la puissance aussi parce que ce qui va me donner de la puissance dans mes frappes, c'est le fait d'envoyer ma hanche. Et peu importe le coup, que ce soit un crochet, que ce soit un coup de pied circulaire, que ce soit un coup de pied direct, la hanche joue un rôle fondamental. Donc, quand je vais faire mon coup de pied, je vais sortir ma hanche vers l'avant. Okay, donc, tu vois la hanche du côté duquel je tape. Donc, ma hanche va sortir vers l'avant, la fesse va être contractée et tu vois que le pied au sol pivote. Je suis plus le pied au sol ici. D'accord, je ne sais pas si ça se voit ici, mais soit je fais un pas et je viens frapper avec l'autre jambe pour augmenter la puissance, soit si j'ai les deux pieds sur la même ligne et je ne bouge pas, j'envoie et je pivote ici pour pouvoir frapper. Donc, on a la surface de frappe, on a le retour de frappe et on a la hanche. Ça nous fait déjà trois erreurs ou trois choses sur lesquelles tu dois te concentrer. Quatrième chose, c'est la garde. Okay, souvent, je vois ça. Et les gens qui viennent frapper le coup de pied et qui restent avec les mains en bas. Le problème, c'est que si tu as raté ton coup et que lui, il a défendu ou peu importe, bah, tu n'as pas de protection au visage. Quand tu frappes, et c'est souvent relié aussi avec l'envie de frapper fort, il y a des gens qui viennent baisser les mains ici pour frapper fort. Il ne faut pas le faire, c'est une erreur. Même si tu fais le retour de frappe, même si tu as la bonne surface de frappe, même si tu as la hanche qui sort, à partir du moment où tes mains descendent, ce n'est pas bon. Tes mains, elles sont en haut. Si jamais on est ici dans une garde pour apaiser un petit peu la situation ou si je suis ici, peu importe, je fais mon pas, je commence à percuter, hop, j'ai les mains en haut. Tu vois, mes mains restent en permanence en haut, peu importe parce que
et ça c'est la cinquième erreur, c'est faire un coup de pied et attendre que quelque chose se passe. Il ne faut jamais attendre. Okay, tu as engagé le combat, tu as décidé d'utiliser tes pieds pour frapper, bam, tout de suite tu enchaînes derrière et tu lâches pas le problème jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de problème. Donc tu vas tout de suite frapper et comme tu contrôles ton coup, comme tu fais le retour de frappe, comme tu es avec les mains en garde, tu vas tout de suite pouvoir engager sur autre chose, une frappe avec les poings, une frappe avec les coudes, une frappe avec le marteau, peut-être après des coups de genou. Enfin, après c'est toi qui fais, c'est toi qui décideras de ce que tu voudras faire, mais ce qui est important, c'est que tu puisses avoir une continuité dans ta frappe, que tu ne mises pas tout sur le coup de pied. On n'est pas en Krav Maga sur un système, une seule frappe dévastatrice, on est sur une série de frappes, une rafale. Quand on commence à frapper, c'est pam, 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 pam. On frappe sur la cible jusqu'à ce que la cible ne représente plus de danger et que toi, tu puisses rentrer chez toi en toute sécurité. Donc pour conclure la vidéo, j'aimerais te rappeler les 5 erreurs que tu ne dois pas faire. La première erreur à ne pas faire, c'est frapper avec la mauvaise surface. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est d'avoir la jambe trop tendue et de reposer la jambe au sol sans la replier. La troisième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas utiliser les hanches pour pouvoir sortir de la puissance de frappe. La quatrième erreur, c'est descendre tes mains lorsque tu frappes. Et la cinquième erreur, c'est de ne pas avoir de continuité dans tes frappes, de ne pas savoir ce que tu vas faire derrière un coup de pied. Et il n'y a pas une seule bonne réponse. Tu peux faire ce que tu veux derrière un coup de pied. Ce sera la plupart du temps en fonction de la réaction du partenaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire sur le coup de pied direct. Comme d'habitude, ce que je t'invite à faire, c'est de te filmer et de regarder ce qui se passe dans tes films. Est-ce que tu fais ces erreurs ou pas, que tu deviennes conscient de ton niveau pour pouvoir améliorer et pour pouvoir travailler. Pour pouvoir t'améliorer, eh bien, tu as tous les clubs KMG qui se trouvent en France. Tu as la liste sous la vidéo. Et bien sûr, tu as aussi le livre que je t'offre en ce moment. Tu as les liens sous la vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, partager et je te retrouve très très vite.